On this episode of Beyond Bordeaux, I meet with two graffiti artists who've incorporated wine into their street art. They give me a tour of the Darwin Center, an amazing cultural hub filled with artists, skateboarders, and other creative minds. Olivier, how are you? Hi. Tell me where we are right now. Darwin, alors Darwin, c'est un lieu atypique et original qui offre aujourd'hui une nouvelle vision de Bordeaux. C'est un lieu qui est où toutes les générations peuvent se rencontrer et il y a une mixité culturelle immense et par exemple aujourd'hui je suis venu faire mon graphe voilà au fond tout au fond là-bas. Being from Bordeaux and obviously understanding wine is a huge part of the culture. How does that affect your art? En fait, j'ai fait un rapprochement avec l'univers viticole et l'univers urbain parce que en vrai, c'est des activités, on va dire, similaires. Elles sont différentes, mais dans le processus de création, c'est similaire. Le vin, c'est un travail artisanal qui demande beaucoup de soins, beaucoup d'attention, beaucoup de temps pour que le raisin arrive à maturité. C'est un petit peu comme le street art. Ça prend des années avant d'arriver à un style, d'arriver à des formes intéressantes et avoir quelque chose de concret. Au travail, j'ai été amené à travailler sur des étiquettes de vin. Donc c'était quelque chose qui m'a inspiré très vite. Charles, tell me the rules of the Darwin Center. Les règles à Darwin sont les mêmes que partout dans le graffiti. On peut repasser des murs, mais il faut le faire correctement, repasser toute la peinture de l'autre personne. Et tout le monde peut peindre comme il le veut, où il le veut. C'est un super endroit pour ça. Do you ever use wine themes in your artwork? And also, you know, what is wine? Because being from a wine region, what does that mean to you? Le vin, ben, en habitant à Bordeaux, on est obligé de s'intéresser au vin, forcément, parce que le monde, c'est mondialement connu pour ça. Hey guys, well, thank you so much for taking the time today to show me around. I feel like I've learned so much about the new generation of Bordeaux and the way that it's affecting in both art and wine. So I brought a bottle of wine for us to drink. This is a biodynamic producer making wine here in Bordeaux. Cheers.